Bien le bonjour à tous et bienvenue sur LIDJDJDEM en ce lundi 7 décembre 2020. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de Lucky Luke, première apparition à l'écran en 1946, l'homme qui tire plus vite que son ombre. D'un point de vue, c'est bien et pas. Voilà, je vous laisse réfléchir. Niveau de l'actualité, alors ça se passe en Chine? Non, c'est pas le corona, je vous assure. Non, c'est 500 kilos de pâté et 30 sauts en moyenne de crotte. Voilà, c'est le quotidien d'une retraitée chinoise qui élève, enfin qui recueille plutôt des chiens. Elle est actuellement à 100, à 1030. Oh là là. Un 1, un 3, un 0 et un 0, ça fait bien 1300. Voilà, 1300 chiens. Voilà, elle a vendu sa maison, elle a fait un emprunt pour pouvoir installer, enfin faire quelques installations, notamment les cages et tout. Et le pâté, parce que le pâté c'est bon, mais le pâté ça coûte cher, hein. Donc voilà. Puis c'est en augmentation constante, hein, parce que voilà, elle recueille les chiens qui sont dans la rue, et puis il y a plus d'arrivants que de partants, on va dire. Mais bon, ça lui plaît, elle kiffe, donc c'est tout à son honneur, voilà. Elle a plein de Pékinois. Voilà. Voilà. Bon, sinon, on va fêter. C'est la fête à qui? C'est la fête à Ambroise. Voilà. Bonne fête, Ambroise. Je t'embrasse. T'as de la chance. Sinon, c'est la journée mondiale de l'aviation civile. Voilà, vous savez. Bon, de toute façon, on s'en fout. On peut pas voyager encore. Donc, hein. Mais bon, c'était pour la culture. Et vous savez que le verre de trop, c'est le verre qu'on se sert, mais alors que la bouteille est vide. Ouais, dommage. Allez, salut, et à demain.